Et bah voilà. C'est bon? Merci. Du coup, j'imagine que c'est là que je dois aller. Que s'est-il passé? Les mendiants, ils se soulèvent dans tout le quartier. Vous autres, venez avec moi. Ok, égout. Trouver le roi des thunes. Ok, peut-être par là. Le roi des thunes, où es-tu caché? En fait, c'est un couloir quoi. Je suis obligé d'avancer jusqu'à ce que je trouve quelqu'un. Ah merde, ils étaient deux. Oh, j'avais pas vu l'autre. C'est pas grave, si. Allez, allez. Ici. Ouh. Hop là. Voilà. Rapide, discret, efficace, comme on dit dans le jargon. Est-ce que c'est plus facile de tuer les mecs? Non, moi je trouve ça plus dur justement. Après, le rythme est beaucoup plus dur à prendre. Il faut enchaîner les contres et les enchaînements très rapidement. Non, moi j'ai trouvé que c'était plus dur à prendre en main. Après, ce n'est que mon avis, hein, mais pour moi, le système de combat, bon, certes, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dur au monde, mais je suis mort plus souvent que dans les autres Assassin's Creed sur celui-là. C'est-à-dire que sur Rogue, je dois pas être mort une seule fois encore en combat. Alors que là, je dois être mort un peu moins d'une dizaine de fois, je sais plus. Faudrait voir sur les lives combien j'ai fait exactement, mais. Mais je suis mort beaucoup plus souvent sur Unity. Mais après c'est vrai que comment dire, c'est on pourrait avoir l'impression que c'est très très facile, mais non, c'est juste que le rythme est plus rapide en fait, et donc du coup on a l'impression que j'enchaîne plus rapidement les gars, alors qu'en fait c'est juste que c'est le rythme qui fait ça. Plus coriace. De ver, il devient serpent. Diantre, je savais que ce n'était qu'une question de temps. Mais cela est bien trop tôt. Oh, oui, votre grâce. Les assassins sont bien renseignés. Mais c'est nous qui avons l'avantage, n'est-ce pas? Rassemble la garde et donne la chasse à cet assassin. Rapporte-moi sa tête. Mais, votre grâce, la moitié de nos hommes est... Thank you.
J'ai honte pour lui. Diable. Un trophée, vais-je pouvoir prendre sur toi? Mourir. Je vais t'abattre. J'aurais dû me douter qu'on en arriverait là. Je te vois. Je le mets au service de l'ordre. Et que pourrait nous apprendre un roi des égouts? Les intrigues des rats. C'est embêtant, ouais, donc les défis optionnels comme ça qui arrivent qu'en cours de mission, parce que du coup là j'avais pas vu qu'il fallait faire deux meurtres à l'âme fantôme. Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Sifer, il faut partir! C'est fait. De la serre est mort. Grand maître. Bien. Mais c'était pas de la serre, le grand maître justement des Templiers? Pas grave. Hein. Fuir, mais je... Non, bon, moi, ok. Ah. Ça c'est fait. Comme ça, il vaut plus rien. Voilà. C'est classe, hein. J'ai bien aimé la petite glissade enchaînée avec un meurtre. Ouh. Voilà, plus qu'à partir. Tranquille, tu sais.
Tu arrives à temps pour l'avènement de mon règne. Votre règne? Tant qu'il existera une cour des miracles, il doit y avoir un roi des thunes. Puisque la place semblait vacante, je l'ai prise. Vous n'avez pas perdu de temps, son corps est encore chaud. Peut-être ai-je légèrement anticipé sa destitution. Disons, dès que tu es apparu à la cour des miracles. Vous vous êtes servi de moi. Ta cible est morte? Ou nous sommes servis l'un de l'autre? Vous avez hérité d'un étrange royaume. Eh oui, n'est-ce pas? Alors, justice a-t-elle été rendue? Les morts sont vengés? Ton âme apaisée? Le bien a triomphé? J'en suis encore loin, Marquis. Chaque fois que je crois toucher la vérité du doigt, une nouvelle couche de mensonges... Orgie. Mais en même temps, si je me souviens bien, c'était le mec qui était à poil dans la prison. Donc quelque part, c'est pas surprenant non plus. Je préférerais une piste solide. Si jeune. Et déjà si sérieux. Ah bah on n'a pas tous le temps de faire la fête, hein, que veux-tu. J'imagine que tu as jeté un œil à ceci. Mais j'ai quand même quelque chose pour toi. Un de mes fidèles sujets me l'a apporté. Un certain gage d'estime, s'il en est. Oh, un objet étrange. À ma connaissance, une seule personne sait travailler le métal de cette façon. C'est une lame comme celle-ci qui a tué Monsieur de la Serre. Mais j'imagine que cela, vous le saviez déjà. Pourquoi l'avez-vous dit ? Où en serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions ? Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent, aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger? La meuf a l'air à moitié dégoûtée à côté ou complètement cuite, quoi. Peut-être, oui. Maintenant dégoûtée. Cet artisan s'appelle François Thomas Germain. Ah, quoique. C'est peut-être cuite, en fait. Tu trouveras son échoppe près des Halles. Merci. Regardez là comment elle est. Voilà. Bonne chance. Elle a peut-être pris un peu d'IHB en fait. Bref, reprenons. Et un succès déverrouillé. La cour des miracles. Bon. Alors. Moi j'ai bien envie de reprendre les missions par rapport à la villa. Oh, bah, de toute façon c'était compte rendu au conseil. Bon bah très bien. Hein. On va aller voir Mirabeau. Bon, comme prévu, il est 18h, je continue le live un peu plus longtemps, puisqu'il semblerait que je sois pris ce soir, tout simplement. Donc du coup, je fais durer le...